froid nous congèle. La pluie nous dévaste. Le petit virus nous détruit. Le mal de dents, toutes sortes de maladies, nous ne supportons pas. Nous sommes faibles, vulnérables, fragiles. Encore bon donc d'éveiller ou de réveiller, d'attirer la colère d'Allah Ta'ala. Faisons l'effort de rester loin de la colère d'Allah Ta'ala. Et ce qui peut nous pousser à être audacieux, à être exagérément, extrêmement courageux pour affronter Allah, pour affronter les ordres d'Allah Ta'ala, pour les défier, ce n'est autre que Shaytan. Rien d'autre, je dis bien, il n'y a pas de source de motivation à défier Allah, à lui désobéir, si ce n'est de Shaytan. Et c'est dans cela donc que nous sommes en train d'exposer les ruses, les malices, les stratégies, les stratagèmes, les techniques de Shaytan et aussi ses voies d'accès en nous pour pouvoir nous maintenir dans la voie de la désobéissance et la défiance d'Allah Ta'ala. Mais Allah nous a donné un remède pour nous en dénoyer, c'est tout simplement de nous mettre sous sa lui, sa protection, en disant toujours « A'udhu billahi minash shaitani rajim ». Je me mets sous la protection d'Allah Ta'ala contre Satan, le diable, le banni, le lapidé. Et en cela, Allah nous dit dans ce verset, dans ces versets 119 et 120 du chapitre 4, Sourate An-Nisa, les femmes, versets 119 et 120, Allah nous dit ceci: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Quiconque prend le Shaytan, le diable, Satan, comme allié, comme partenaire, comme compagnon, en dehors d'Allah, en mettant Allah de côté à l'écart, la personne s'est vraiment égarée d'un égarement manifeste, clair, évident. Et une fois que tu t'attaches à Shaytan en laissant Allah de côté, qu'est-ce qu'il fait? Allah dit au verset 120: Ya'iduhum wa yumanihim wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura. Oui, il leur fait des promesses, il leur donne de faux espoirs. Il te fait espérer, il te motive, il t'encourage et tu fais ce que lui il veut et tout ce que le diable leur promet n'est que supercherie, n'est que tromperie, n'est que illusion. Chapitre 4, Sourate An-Nisa, versets 119 et 120. Et parmi les Satan, les chayatines, les diables, il y a des génies et des hommes. Oui, les diables, parce que c'est compartimenté, c'est organisé, c'est hiérarchisé. Le plus grand de tous, c'est lui qu'on appelle Shaytan, le Satan. Le Satan, il est un. Lui, il a sa nature propre à lui. Il a sa nature propre à lui. Il est unique. Il est unique. Il n'est pas multiple. Maintenant, ceux qui acceptent de s'allier à lui, de le suivre, de s'approprier ses ruses et de les mettre à exécution, c'est eux qu'on appelle Ashayatin. Ashayatin, c'est le pluriel de Shaytan. Mais le Shaytan lui-même n'est pas pluriel. Il est singulier, il est unique. Maintenant, ses soldats, ses collaborateurs, ses acolytes, ses complices sont appelés maintenant à Shayatin. C'est eux maintenant qui vont agir en son nom. Et parmi ceux-là, Allah va nous dire quelles sont les deux catégories. Et Allah, il dit dans le verset 100, au chapitre 6, Sourate Al-An'am, en son verset 112, Allah dit:
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Il dit, c'est ainsi que nous avons fait à tous les prophètes un ennemi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ. C'est de cette façon donc que nous avons affecté, nous avons commis à chaque prophète depuis nous, alayhi salam, en passant par Ibrahim, alayhi salam, Yaqub, Yusuf, jusqu'à venir à Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout cela, Allah leur a affecté des ennemis. Des ennemis. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّينَ عَدُوًا. C'est de cette façon, c'est ainsi que nous avons affecté à chaque prophète un ennemi parmi les génies. Parmi les génies, des démons, شياطين الإنس, qui vont se trouver parmi les hommes, Waldin, et les génies, les diables maintenant, ce qu'on appelle djinné. Donc, le Shaitan a ses lieutenants, ses ambassadeurs, ses représentants, ses délégués parmi les humains et parmi les génies. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Allah dit donc, ceux-là, ils s'inspirent, les shaitans hommes et les shaitans djinns, ils s'inspirent trompeusement les uns aux autres de belles paroles, c'est-à-dire de beaux slogans, mais mensongers. Et si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc eux et leurs inventions mensongères. Laisse-les avec leurs imaginations. Chapitre 6, Al-An'am, les bestiaux, verset 112. Pour dire que parmi les hommes, des gens vont tenir des propos diaboliques, démoniaques, sataniques. Mais cela leur est inspiré. Souvent, nous, on se pose la question, d'où ils tirent ça? D'où il tire non seulement ses propos, mais d'où il tire le courage, l'audace qu'il a. On se pose souvent cette question. Mais Allah nous le dit ici, chapitre 6, verset 112, que ce sont entre eux, dès lors que tu te mets dans la disposition d'accepter, de laisser ce que Allah a préconisé, sache que le shaitan te récupère. Et quand lui te récupère, de plus en plus il t'éloigne de ce que Allah veut. Et de plus en plus de ce que Allah déteste, il te rapproche. Et quand tu te rapproches, il te fait espérer, il te fait croire à ce qui n'est pas réel. Et tu es convaincu, même si ta raison veut agir pour te dire, est-ce que toi-même ce que tu dis ou bien ce que tu fais, est-ce que... Mais le shaitan t'inspire le courage, l'audace de te détourner et puis de dire, bon, de toutes les façons, on est engagé. C'est ce que je viens de dire dans le chapitre 4, verset 119 et 120, et maintenant le chapitre 6, verset 112. Donc les shaitans, djinns, génies, ont plus d'impact sur les hommes. Et c'est eux maintenant qui vont les soutenir dans ses propos. Et en cela, Allah nous dit au chapitre 43, Sourate Zukhruf, le décor, en son verset 37, Allah dit, « Wa innahum layasuddunahum anissabil wa yasabuna annahum muhtadun. » Et donc, quand les génies, shayatin, encouragent les génies humains, c'est-à-dire les ennemis d'Allah et ses prophètes, ses messagers, les démons les repoussent sans aucun doute loin du chemin d'Allah. Les démons djinns repoussent les démons, leurs partisans, leurs alliés humains loin du chemin d'Allah. C'est ce qu'Allah nous dit ici au chapitre 43, verset 37, Sourat Zukhruf, le décor. Wa innahum layasuddunahum anissabil. Oui, sans aucun doute, il les repoussent
très loin du chemin d'Allah. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Et ils se croient quand même sur la bonne voie. Allahu Akbar. Donc, ça ne doit pas nous surprendre, si on lit le Coran vraiment, de voir que des gens se comportent à contrario de ce qu'Allah veut. Tout le monde voit qu'ils ont une audace, un courage inexplicable, alors qu'ils sont instruits, ils sont bien enseignés, ils connaissent les sciences religieuses, mais hélas, ils se sont laissés emporter par la convoitise de Dounia, parce que Shaitan veut nous faire rêver de Dounia, alors que ce qu'on détient, on n'en rêve pas. On doit rêver plutôt de ce qu'on n'a pas. Nous devons rêver de l'au-delà, de l'autre monde, du paradis, de la rencontre d'Allah, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du rafraîchissement de l'eau de Kawsar. C'est de ça que nous devons rêver. Parce que Dounia, nous y sommes. Nous en connaissons les facettes, les difficultés, les joies, les amertumes. On connaît Dounia plus ou moins comment il est. Mais le shaitan te détourne de ce à quoi tu dois rêver pour te faire rêver à ce que tu as déjà, qui est Dounia. C'est paradoxal, mais ce n'est pas difficile à comprendre si le Coran est clair. Et donc, cela, le shaitan les détourne loin du chemin d'Allah parce qu'ils ont signé un pacte, ils ont donné leur cœur à ça, et eux-mêmes, tout en insultant la religion, Allah, les valeurs, les symboles de l'islam, ils croient bien être guidés quand même. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ils croient être bien guidés et ils jurent وَاللَّهِ بِاللَّهِ تَعَالَى, les autres iront en enfer. Wallahi billahi ta'ala, nous on irait au paradis. Wahum yahsaboun, ils croient, ils s'imaginent, annahum, que eux, muhtadoun, ils sont bien guidés. Donc si nous nous posons des questions, de comprendre où ils tirent ces inspirations, ces courages, ces choses, ne nous donnons pas des méningites, ne nous donnons pas des névralgites, ne nous donnons pas des migraines, sachant que Allah a déjà dit comment ça se fait, le mécanisme. Ils ne sont pas libres de leurs pensées. Ils agissent selon le bon vouloir de Shaitan. Et donc, c'est à cela que nous avons vu dans la dernière actualité un individu lugubre s'en prendre à Allah. Vous voyez quelle audace. Ça peut paraître vraiment étonnant pour quelqu'un qui a la raison en place. Pour le musulman lambda normal, ça paraît vraiment trop osé. Comment quelqu'un peut se... Tu as beau aimer un être humain. Tu as beau aimer un être humain. Même ton propre père, ta propre mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne seras pas parfaitement croyant que lorsque lui, son amour sera grand en toi que pour ton père et ta mère. Si tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ton père et ta mère, en quoi est-ce qu'un autre être humain, la simple comparaison entre un être humain, une créature avec Allah et un péché. Allah nous dit dans le Coran, wala tadribu lillahi l'amsal. Ne donnez pas des apparences, ne faites pas de comparaison entre Allah et autre chose. On n'a pas à faire un rapport, un lien entre tout ce qui concerne Allah et une créature quelconque. Mais le fait même de comparer Allah à une créature, ça suffit comme mécréance. Mais nous allons plus loin avec cet individu lugubre qui va plus loin pour dire qu'il est au Mali, bien sûr. Je respecte ma bouche pour prononcer son nom dans mon sermon. Son nom ne mérite pas d'être prononcé dans mon sermon. Son nom ne mérite pas d'être prononcé par ma bouche. Parce que c'est un déchet, c'est une souillure, cet individu-là, qui va plus loin pour des questions mondaines, pour la convoitise des biens de ce monde, qui ose publiquement
Parce que l'islam n'a pas de dépositaire, l'islam n'a pas de gardien, l'islam est leur champ gardé, ils en font ce qu'ils veulent, ils se fichent des autres musulmans, et donc impunément ils s'assoient devant une masse d'hommes, et il dit, au lieu d'insulter les shérifs, qui a créé shérif? Le mot shérif vient d'où? Par quoi est-ce que le shérif est shérif? C'est par le prophète Mohammed sallam. Et donc, le prophète sallam qui est envoyé par Allah, et tu vas plus loin pour dire, au lieu d'insulter un shérif, et qui a insulté un shérif, les gens n'ont fait que dire la vérité au faux shérif. Les faux shérifs, les usurpateurs de nom. Et encore, si c'était un vrai shérif pour qui tu faisais, c'est condamnable, mais pour un faux shérif encore. Un voleur de nom de shérif. Ouais, je le dis, je l'assume. Je le dis, je l'assume. On ne peut pas s'apprendre à l'islam, nous, étant vivants, on va se taire. Il ne va plus rien pour dire, donc, cet individu pécheur. Pour dire que ce dernier, plutôt que de s'en prendre à un shérif, si on met Allah et un individu comme ça, s'il n'y a pas d'autre solution que d'insulter un, il n'y a rien à faire, il faut forcément insulter un. Lui va te dire, il ne faut pas insulter Allah seulement un. D'abord, cette comparaison n'a pas lieu d'être, mais lui va plus loin pour dire, il faut insulter, il attribuera un père à Allah avec sérénité, une mère à Allah avec sérénité pour dire, il faut insulter. S'il disait, mais il faut insulter Allah, c'est un péché, c'est une mécréance. Mais il va plus loin pour dire, il faut insulter le père d'Allah et la mère d'Allah, plutôt que d'insulter un shérif. Subhanallah, 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 subhanallah. Ça, celui-là, nous ne pouvons pas décréter son enfer, mais nous pouvons décréter sa mécréance. C'est un mécréant notoire que de dire ce genre de paroles. Et encore, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai vu une de ses vidéos, cet individu maudit par le dernier cri, je dirais même la dernière énergie de malédiction, avec ostentation, orgueil, comme Iblis, parce que l'orgueil ne vient que d'Iblis et rien d'autre. Iblis, c'est lui qui est orgueilleux. Il vient s'asseoir pour le même problème, pour la même mécréance, plutôt que de se confesser, de se repentir, de présenter ses excuses, il vient pour se déculpabiliser, c'est-à-dire pour se rendre non coupable de ses dires. C'est irresponsable. Mais non content de ça, il se déculpabilise et puis il se victimise. Il se rend victime des autres qui ont condamné ses dires, qui s'en sont pris à lui de façon langagière. Tu t'en prends à Allah, le Créateur suprême, absolu. Et ses créatures réagissent. Plutôt que de demander pardon à Allah, tu viens te justifier devant une masse d'ignorants. Pour te rendre non coupable, justifier tes dires et puis finir par te rendre victime des, entre guillemets, attaques, des offenses des autres. La réplique, tu prends ça comme une attaque, une offense. Alors que c'est une défense. Et de là donc, cet homme diabolique, satanique, démoniaque, Allah t'a dit déjà qui tu es, toi et tout ta clique, tes semblables, les prédateurs de la fortune des ignorants qu'on appelle prédicateurs, les prédateurs, un prédateur c'est un animal qui est en brousse, qui est aux aguets, qui cherche à bondir sur un autre animal, comme le lion est un prédateur pour la biche. Pour les animaux, les autres animaux, le prédateur c'est ça. Il est prêt avec ses ongles, ses crocs, pour dévorer la proie. Ceux-là sont des prédateurs, des ignorants, ou des gens insensés, qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Allah vous dit, « Innahum takhadhu shayatina awliya'a min dunillah » Oui, ceux-là ont choisi leur camp. Ils ne cachent plus ça. Ils ont mis ça à nu, au grand jour, aux yeux de tous.
qu'ils ont choisi leur camp, le camp de la mécréance, habillé, teinté d'hypocrisie. On se fait passer pour des musulmans, avec des langages islamiques, une apparence de musulmans, mais dans le fond, c'est des mécréants notoires, des partisans de Shaitan, de Satan. C'est le satanisme qui se fait là-bas. J'ai voulu me taire dessus, mais l'aventure reprendra, Inch'Allah. Nous ne pouvons pas abandonner, laisser des gens comme ça, des insolents, des souillures humaines, s'en prendre à Allah, à l'islam, à ses valeurs, et dire que Agnès Sabali, ça c'est quel Sabali ça? Donc Allah dit qu'ils sont innahumutakhadu shayatina awliya. Ils ont choisi, ils ont adopté les diables pour alliés, pour compagnons. Ils ont déjà choisi min dunillah, en dehors d'Allah. Pourquoi ils n'incitent pas Shaitan? Vous avez une fois entendu, ils ont incité Shaitan. Mais pourquoi c'est l'islam où ils insultent? Vous avez une fois entendu, ils ont incité les idoles, les fétiches. Mais pourquoi c'est l'islam et ses valeurs, les mosquées, on insulte? Pourquoi c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on prend en dérision? De qui on se moque? Et tout en se faisant idolâtrer soi-même. Adorer soi-même. Il faut dire que Allah vous dit, il nous dit à nous, à votre sujet, innahumu takhadhu shayatina awliya'a min dunillah. Ils ont adopté les diables comme amis, comme alliés, wa yahsabuna annahum muhtadun, mais quand même, comme ils sont des fiefs menteurs, ils ont la bouche mielleuse, la langue mielleuse, la bouche fine. Ils pensent être toujours sur la bonne voie. Wa yahsabuna annahum, et ils pensent que eux, muhtadun, ils sont toujours dans la voie. Chapitre 7, sourate Al-A'raf, verset 30. Allah le dit ici encore. Et pour nous conforter, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Les mosquées ont été sabotées de leur guide qui dit, s'il y a des problèmes aujourd'hui dans le monde, c'est par la profusion des mosquées. Le grand nombre des mosquées crée des problèmes dans Dunia aujourd'hui. Où on va? La prolifération des mosquées est un problème à la paix, à la sérénité, à la tranquillité dans le monde. Ça a été dit. Les dires sont là. Il a dit, j'ai dit encore, les piliers de l'islam ont été sabotés. La prière n'est pas l'essentiel de la religion, tu auras dit la vérité. Mais la prière n'en fait pas partie. Le jeûne, la zakat, le hajj, tout ça là, c'est venu pour nous encombrer, nous importuner. Il est dit encore, la prière de vendredi a été sabotée pour la construction de eux-mêmes leur bâtisse, leur édifice. Des gens qui ont dû arrêter le travail de leur bâtisse pour aller prier, faire la prière de vendredi. Un de ces guides sataniques encore se lève pour dire, votre sale prière de vendredi là, votre sale prière de vendredi là, si c'est pour ça, ne venez plus travailler sur le chantier de notre édifice. Parce que le travail dans notre édifice, eux, leurs bâtiments qui sont là contre là, travailler là-bas vaut mieux que 100 000 fois la prière de vendredi. Tu tires ça d'où? Où sont tes sources? Où sont tes preuves? Parce que je peux dire, il n'y aura personne pour contester face à face avec moi. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui se prêtent à n'importe quel salopard, à n'importe quel idiot. Et donc il balance. Et il est entouré des ignorants, des ignares qui apprécient. Insulter la prière de vendredi, où Allah a consacré un chapitre entier à la prière de vendredi, où Allah dit, Iza nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au. Il a dit que là, Allah dit, lorsque l'appel est fait pour la prière de vendredi, dépêchez-vous. Il n'a pas dit Famshu, Fazhabu, il dit Fas'au.
Asa'i en arabe, ça veut dire se dépêcher. Fas'au, dépêchez-vous. Il a décrit là pour aller au rappel d'Allah. Wazarul bay'a, arrêtez toute activité. C'est Allah qui dit ça. Arrêtez toute activité. Zalikum, Allah dit ceci là. Zalikum, khayru lakum, est mieux pour vous. In kuntum ta'lamun, si vous saviez. Et un individu vient dire, on ne doit pas abandonner le travail de notre association pour aller faire la prière de vendredi. Ça là est mieux que 100 000 vendredis. Chapitre 62 du Coran. Des ignares comme ça, ils le disent impunément devant la masse, la communauté de musulmans. Ensuite, ils parlent. Leur guide dit, le Coran est descendu dans la langue de l'ivrognerie. Les Arabes d'antan s'exprimaient en arabe, une langue qui était pratiquée pendant qu'eux-mêmes étaient des ivrognes, des alcooliques. Et c'est leur langue qui a été utilisée pour transcrire le Coran. J'ai dit non, Allah dit Coran là. Le Coran là est descendu dans une langue arabine, arabine mobile. Une langue arabe particulière et claire. La langue du Coran est une langue à part. Que même les Arabes eux-mêmes avaient besoin de comprendre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la langue d'ivrognerie. Mais le Coran était saboté, vilipendé par leur guide. Est-ce qu'on a besoin de ça pour appeler les gens à l'islam? À quoi ou à quel besoin ces attaques contre les valeurs de l'islam répondent? C'est-à-dire pour appeler les gens, venez prier, venez adorer Allah, soyez de bons musulmans. On a besoin de citer ces exemples. Même si c'était des exemples, et ça, ils n'en sont même pas. Il y a encore le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était une famille d'ivrognes. Et ils étaient des idolâtres. Ce rappel, il profite à quoi et à qui? La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des ivrognes, c'était des idolâtres. À quel besoin cela répond? C'est de façon subtile. Enlever, désislamiser les gens subtilement, malicieusement, dépouiller les gens de leur considération pour l'islam, de leur foi, ternir, faire fondre, tuer doucement, dépouiller les gens doucement de leur foi, tout simplement parce que eux, ils ont déjà pris un engagement dounia ou rien. C'est pourquoi il est dit, on n'est pas venu ici-bas pour chercher l'au-delà. On n'est pas ici pour chercher l'au-delà. On est ici pour vivre à l'aise et mourir. Mais nous y viendrons. Nous allons démonter ces allégations, ces assertions grossières et mensongères avec des versets de Coran clairs et des hadiths. Ils sont venus donc pour injurier même parmi eux. C'est une fédération au fait de prédateurs, d'insulteurs de l'islam. Il y a un même qui dans sa conférence insulte l'ange de la mort, Malakul Maut. Qu'est-ce qu'il est fou? Il est malade? Il ne sait pas que lui il est là. Et ça offusque ceux qui étaient autour. Il dit, ah, si ça là ça vous étonne, je vais dire plus que ça. Hein. Bon, Allah même là, je m'en fous de lui. Publiquement, attends, quelle est cette audace? Dans le verset de Coran nous a situé. Hein. C'est des adeptes sataniques. C'est une secte satanique, diabolique, démoniaque, luciférienne. Appelez les gens, même ceux qui ne sont pas musulmans là, Allah dit, Oudou ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana. Ceux même qui ne sont pas musulmans, non, Allah dit pour les appeler là, faites avec douceur. Même s'il a de la fétiche ou autre chose. Voilà, tasubu ladri yaduruna min dunila fayasubu Allah adwan bighayri ilm. N'insultez pas même ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah ou Ta'ala. Pour ne pas que eux aussi ils insultent Allah. Allah dit, ne laissez même pas les mécréants avoir l'opportunité de m'insulter moi Allah. Mais c'est toi-même à qui on te fait cette recommandation, c'est toi-même qui insultes Allah. Tu en vas où? Allah dit de ne pas laisser les mécréants avoir l'occasion d'insulter Allah. Et même ces mécréants, eux-mêmes là, tenez-leur le bon ton, le bon propos pour les amener vers Allah. Toi qui as déjà des musulmans devant toi, tu n'as qu'à conforter, raffermir,
consolider, renforcer leur foi, leur spiritualité, mais tu viens pour délaver ça, pour diluer ça, pour affaiblir Allah, pour enlever, détourner leur pensée de l'au-delà et concentrer ça sur Dunia, qui est vous votre rêve. Or, nous, notre rêve, c'est l'autre côté. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Leur verbiage, leurs insanités langagières, il y en a trop. Il y a un même qui dit que lui, il a vu Allah à Mina, le troisième jour de Mina. Subhanallah. Allah dit dans le Coran, moi rien ne peut me voir. Et c'est le prophète qui nous dit ça, on pourra le voir, mais dans le paradis. Et un individu sale, pécheur, souillure, un déchet, dit lui, il a vu Allah à Mina, au troisième jour de Mina. Quand tu as vu Allah, Moussa alayhi salam n'a pas pu voir Allah. Toi, tu as vu Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit nulle part que lui, il a vu Allah. Ni ses compagnons, ni leurs suiveurs, ni sa famille. Mais ça ne nous étonne pas, parce que celui que tu soutiens, lui, dit même que lui, il allait rencontrer Allah, et lui et Allah ont causé. Mais quelle est cette audace-là? Ça qui tourne? Non, c'est Shaitan. Il y a un pacte qui est avec Shaitan. Et il dit, allons-y, en avant, jusqu'à la gare. Il n'y a plus de rebroussement de chemin. Parce que c'est un pacte. Et je vais venir le démontrer, même pas forcément au Mimba, mais je vais commencer à le démontrer comme nous avons fait pour la dame de Kolia. C'est une aventure qui va commencer. Je vais démonter par A plus B. Celui qui veut, il continue avec eux. Celui qui veut, vraiment, à la rassol, il a le balade. Nous avons voulu avoir de la retenue, mais nous pensons qu'ils n'ont pas de retenue. Et donc, on va jusqu'à dire que leur guide n'a jamais péché. Subhanallah. Subhanallah. Le prophète dit sur la scène dans un hadith, Kullukum khato'un, vous êtes tous des pécheurs. Wa khayrul khato'in, mais le meilleur parmi les pécheurs, Atawabun, ce sont ceux qui ne cessent de se repentir. Allah dit dans un hadith Kursi, il dit, si vous ne commettez pas péché là, j'allais vous enlever tous sur la terre pour amener des créatures qui vont faire péché, parce qu'à travers péché, ils vont implorer mon pardon, Astaghfirullah. C'est ça, moi, Allah, j'aime entendre. C'est quel être humain qui n'a pas péché alors qu'on connaît son passé? C'est pas sur le mimbar que je vais le dire, mais en d'autres lieux je vais dire. Mais quelle est cette prétention où Allah dit dans le Coran, voilà tout ça, courant, vous comme ne vous décernez pas le diplôme de la piété. Ne dites pas, moi je suis pur, je suis saint. Ou Allah Moubimani Tako, c'est Allah qui connaît qui est saint, qui est propre. Où nous allons? Et aujourd'hui, Allah est injurié, la musique est rendue licite, la distraction. Or, Allah nous dit dans le Coran, chapitre 21, Sourate Al-Anbiya, verset 1. Allah dit, Iktaraba linnas hisabuhum, le calcul, la reddition de compte où on doit rendre compte à Allah, c'est proche. Iktaraba linnas hisabuhum, l'heure de la reddition de compte est proche aux des hommes. Mais ils sont dans l'insouciance, Mouridoun, en train de se détourner. Chapitre 21, verset 1. La mort approche, la fin du monde approche, les calamités sont là, les secousses, les tremblements de terre, les séismes, les volcans anciens qui dormaient se réveillent, les mers sont en train de prendre de la place, les tempêtes de vent, d'eau, toutes sortes de calamités, les épidémies, tout en train de se réveiller. Le monde ne tient plus, n'a plus de temps. Allah dit, ça c'est proche. Mais c'est pour ça, c'est en ce moment que les gens sont firafs là, dans l'insouciance, dans l'irresponsabilité, dans l'inconscience. Moridoun, en train de danser, en train de jouer. On n'a qu'à s'en jaillir dans Dunia. Mettons-nous à l'aise. L'autre côté là, laissez ça. Comment un musulman peut comprendre ça? Pourquoi? Donc ça veut dire que si quelqu'un meurt, on ne doit plus pleurer. Parce que les pleurs, il y a la douleur de la séparation, mais il y a la crainte de ce qui est devant. Ça veut dire qu'on ne doit même plus craindre la mort. Or, le prophète du Sallam, il dit, Aksiru zikra hadimil ladat, rappelez-vous beaucoup de la mort. Il dit, visitez les cimetières pour vous rappeler de la mort. Mais si quelqu'un dit non, oublions ça, détendons-nous, réjouissons-nous, est-ce que on va
qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais ce qui est intéressant, Allah dit au chapitre 3, verset 30, Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdora wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhirukum Allahu nafsah wa ila Allahi al-masir. Chapitre 3, sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 30. Allah dit, Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdora. Le jour où chaque âme se trouvera présente devant ce qu'elle aura œuvré dans Dunya. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien derrière. Dans Al-Aman, Yawma tajidu kullu nafsin, le jour où chaque âme recevra ma amilat min sou et min khayrin, ce qu'elle a fait de bien, muhdora, présenté à elle. Wa ma amilat min sou et ce qu'elle aura aussi pratiqué de mal, ça va lui être présenté. Mais quand on va lui présenter son mal, tawaddu, elle va souhaiter, préférer, espérer, anna baynaha wa baynahu, qu'il se trouve entre elle et sa mauvaise œuvre là. Amadan, une distance, baïdan, très loin. Wa yuhadhirukum Allahu nafsa. Allah même vous met en garde contre lui-même. Et Allah. Et c'est Allah la tête, tu oses insulter et tu veux te justifier, te victimiser. Wa yuhadhirukum Allahu nafsa. Allah dit, Allah vous met en garde contre lui-même. Wa ila Allahi al-masir. Tôt ou tard, le retour se fera vers Allah. Chapitre 3, sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 30. Des compagnons du professeur Hassan ne se sont pas moqués d'Allah. Hein. Ils se sont moqués du professeur Hassan et de ses compagnons. Lors d'une expédition, pendant que le prophète était encore loin, sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, un groupe de compagnons, d'après eux-mêmes, jouaient, présentaient, ils disaient, le prophète et ses compagnons, ces femmes, ils aiment, ils ont de gros ventres, ils aiment manger, ils aiment femmes, ils aiment la... Quand ils ont dit ça, il y a un à qui ça a fait mal. Lui, il a couru pour aller dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà les propos que ceux-là tiennent de toi et tes compagnons. Prophète et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que Allah va leur dire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à les appeler, ce qu'ils vont dire là, Allah a déjà dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sourate At-Tawbah, chapitre 9 du Coran, versets 65 et 66. Allah dit au prophète, tu vas les appeler, non? Wala in sa'altahum. Mais quand tu vas leur demander au sujet de la chose, la yakulun, ils vont vraiment te dire, innama kunna nakhud wa nal'ab. On plaisantait, on jouait. Et c'est ce qu'ils sont venus dire. Mais Allah dit au professeur Azam, wa kul, dis-le, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Donc, c'est de Allah, ses versets et son messager que vous vous moquez. Et ils ont dit seulement que le prophète et ses compagnons-là, et tous son gros ventre, même si le prophète n'était pas dedans, mais ils ont cité le prophète. Que le prophète, ses compagnons-là, ils ont gros ventre, ils mangent beaucoup, ils aiment femme, et ils disent qu'on plaisantait. Allah dit au prophète sallam de l'air, dit chapitre 9, verset 65, Abillahi, donc c'est de Allah, wa ayatihi, de ses versets, wa rasuli, et de son messager, kuntum tastahzi'un, vous vous moquiez. Verset 66, Allah va dire, la tartaziru, ne présentez pas d'excuses, ne vous justifiez pas. Code kafar tumba da imanikum. À partir de maintenant, vous êtes devenus mécréants après avoir cru. Après la foi, là, à partir de maintenant, là, vous êtes devenus mécréants. Innafu anto ifatiminkum. Je vais pardonner à certains parmi vous pour ce que Allah sait, comment ils se sont retrouvés dedans. Wa nu'adhibu ifatam bi annahum kanu mujrimin. Mais nous allons châtier forcément une autre partie pour le fait qu'ils sont des criminels. Parce que c'est eux qui ont imaginé, et ce n'est pas la première fois. C'est parce que c'est ici, ça a été rapporté au professeur, ce n'est pas la première fois. C'est leur travail de se moquer des valeurs, des symboles de l'islam.
C'est pourquoi Allah dit, et eux, il ne va pas leur pardonner, bi annahum kanu mujrimin, parce qu'eux sont des criminels. Le vrai crime, ce n'est pas le fait de tuer l'homme, spirituellement parlant. Le crime, parce qu'Allah dit dans le Coran, al fitna ashaddu min al qatl, la tentation, la séduction, égarer quelqu'un de sa foi est plus dangereuse que tuer la personne. Parce que quand tu tues quelqu'un, la personne va au paradis. Mais tu enlèves quelqu'un de la voie d'Allah, la personne va en enfer. Allah dit al fitna tu ashaddu min al qatl, détourner quelqu'un d'Allah, de l'islam, est plus dangereux que tuer la personne. Donc quelqu'un qui prend en dérision l'islam, se moque de l'islam, s'en prend à ses valeurs à Allah, celui-là c'est un criminel spirituel. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite. Et ça, ce qui fait mal, quand un homme qui est sans vergogne, sans scrupule, sans honte, et un homme qui est bête, quand les deux se retrouvent, là, c'est une bombe. Ceux qui prêchent n'ont pas honte. Ceux qui écoutent ne sont pas intelligents. Et quand ils disent « Docteur, docteur !» ils crient « Allah, Allah !» Quand c'est comme ça, là, qui va dire « Arrêtons ?» Qui va dire « Avançons ?» Qui va dire « Reculons ?» Akulu ma tasma'u. Wa astaghfirullah li ma li wa lakum wa li sa'iril muslimin li kullin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ambal maslamaw an instance ala nga anya nyero majina sitana sitana ban no fede amakote kafru la makobe ala niuli la woroni nadu anyalo kafoko sitana abanjigi mafafule abejigi ya fule de adema dema ki jalagele ya ala tanana ninga ile ya ko foite bwa ko odole ye inafo ambe fitina minabite ni do sorola bi jamakuru do oluko makote alala ala kala o moche ala tetolonge feide mo lube tolonga alala o ko be lo ira sorola kadalu sorola ko ba nya fo hakilima o nyene tuguni naloma malobali ba fo kale be hakilima la fo malo e balawi choro ba ugo mo ofla be ku yesra o nye mo ofla kwa yesra o nye malobali ikanga sranya fando ole ala nya sranya ba ni ala nya sranya bali afo malobali amu bla krefa o kumate ko ibe sra mo ibe sra ala nya ku yesra nya mom te sra ala nya ku yesra nya mi be sra ala nya ni ga kala ala ba du sra mi te sra ala nya ni tula ko ki bla fe ala be na jangata jiga beka donc mo mi te sra ala nya ni ichebwala sra nya ichebwala mom be sra ala nya ichebwala kana sama fana nga ni malobali ni naloma ka nyongo sorokola atenyanabo malobali mo be se ka kala ka akli dia ka dadia ka yejo dia moye na te malo ate malo galantie la ate malo nenina ate malo dafra ya la anal fana bo la le no fe mo be kala naloma ye la la toye ma ko be nyanabo di na le ka malobali ya ke ale betano ole la nale ka malobali aka be sanga olela jama be ke kule be chano fa olela kana mo te fori ya fona be jama nya fe kasro ka banga ta nimisa fota ola nake la hakli mai abe ko se ga na ko mfidila me nake la shitana moye abe yada malobali ye abe yada haramu de malobali fe malobali ma se ka minke oye haramu ye malobali te fe ka minke ato ole ke ole haramu ye fe fla haramu fla pele malobali fe ama semina parce que atena ko etuni ah oui haram ya fait parce que atuno ke ani mi mandale re ekeli la note dante malbal la fem be da lay amole la mo ni ma malo ala makabe malo donc note mo mi be sigi abe ku mo do la jamana do kone ba fo ko yani yende ya nyamone jamana tri fana banen ibo toke kasula li ebe sran jamana tri nye ah yani ye kalsane nere fani mbane ni mo cité son go fo ala imalo de la gudani sela roja imala sela roja ibe mo mi sangana ni sherfu ya sherfu yerete
billahi ta'ala ba fola nyi kono la rabbe lo akoro che fute damu la nyere la le ba momi te sira ala nyabe ko beta o ka ko takake parce que si tu n'as pas encore fait, tu as la guerre à bien, stranyate et puis malbali à bien. Si tu n'as pas, quand on pousse le drone, il n'a pas encore un aïe au foyer de tourne. Sinon, mon thé, il y a là-bas, frauna à la gafrauna à la kimoula, à malan et nous. Quoi les à la anara, beaucoup moula à la, quoi les à la doli. Frauna à la ma à la ki, quoi qu'à la n'est, mais à kaire soumani à la yé drone. À la kamra. Namrout. Ale fana ma ala nende akole ana uhi wa umit ne fana be nyana maya di mesh memo fa konne ne fana ne ala doli namrud ala ka haraki men nindani ale ka obedoke akala ni danfen do suma me ka batuni ka fadi alama ka badi alama yahudiyu kafiru kretiyu ni yahudiyu olu ere mo ke Olu ye de sangani alaye, alaye reko atola doni sangolo bebe. Sangolo be prempene ka mumru, ka mbon, dougolo ka, ka fote reko dembe alafi. Oye bala ukumale. Kafru no ya kafriya, olu ka dene di alama. Katoliku drone ka badi alama. Ko mariama ye isa baye, isa ye alaye, do mariama ye alaba subhanallah. Mais olu dana ota olu ni tay ni date chrétien yaudia te ni ndabe chrétien yaudia ya sans feli bau aleka dans fin de soumani alay frawno do ko dan adana ole makare soumana alay alaka halaki namrut gaire soumana alay alaka halaki nin nana dans fin de soumani alay aleka frawna take ka namrut take chrétien Oluka Isa Soumani Alay. Alefanaye aka nyamo Soumani Alay. Non, aka chrétien yake. Yaoudia ou ka ouzaïru. Oko ke ala deni. Ale soumanyana olu fanala ni kafriya miriani. Ska danfen de Soumani Alay. O kafriya gungo okungo bak. Na aboley. Chrétien ou. Non ya chrétien ya. Dine sou fin. Iba beta diye kon asima faouli ala la folo. Mo sima fawole ala la folo me ale ka fasoro ala la ka batuni ka basoro ala la uta sabay me abana tuni ka ala neni aya danfen doye niko ka nyana to modola ale be danfen inta niko ka don neni ala ni danfen ina ale be ala neni Mais à ma dame, coca à la fan et cala bani, coca dit la catamille chez vous, subhanallah. Il y a de la grève. Kafru halakila, femin d'okoso, il est ka bela genique katla ka supplémentaire blaboka. Kanani yere la baye, c'est un adloki et tout ni kirisigi, kibo o daludi, konibe tele ira moula, ko hakrima be telefle. Mais hakle dan bi boro de ne flé ko ka so ite boro ira la ola be telele ira la ola e be kuma lon ka te be jonk i be ko lon ka te be jonk i ki ala ni joye a cheni ni aya jamana famo ma ko kala no ma mne ka bla ka sola ala ni kele ko so ala ko qur'ana ko suratul anfal wa taqu fitnata la tusibanna alladina zalamu minkum khassa ay sram balawni fitna ni Ala te mindigi tononi kela udronga abe pepe bonae abe jamana mina jamana ere la jarabini ngoro lo alabu ambe do kala la jarabini ni fitna ni boy men nini jato sitana ya koso no lu do be nana kana do fora ala ya jangata kanu bau mota botuma na bo fanlo a foka kula tonke ni nade ba ando be dance ni nana la son Slamayate mosi fachetei, mosi bamso tate, mosi ya kabla tate, slamaye slama bere bere ya chien liye. Sabou, radi Allah ta'ala anhu majmai, oka latanga, oke la kangalentiye, ala keda konsola sa, oka latanga, tabiina oka latanga, tabiina oka latanga, monyuma usara fusolu, oka latanga, aselanu manu ta janwa.
Ante na slamaya la blanta jamfa. Iki lo slamaya seraka. Kai lo asenga anukun. Ando kadamne ante na la blanta la son. Anga misiri ya deme kufo ya juma temeni. Ba osi misiri sans fait euro deuxième étage ni amako be labana. Ka karo ula ka peinture ke kale laban peu ka ben sungalo manala son. Devi mitu nilama 670 000 francs. Na la se juma temeni watu matungono me atume o dalefe ngofo me ala otala ka ala jonma do ambalma muso do madame Konate anana 700 000 diko ka misiri a barakenai wari barak be bena 670 000 wa keme ani wa tan nani atume be wa keme ni bisabani nani wa keme ani wa bisabani nani Manani wa kemeni binani koko bla kake barai amba dili alafe madame Konate amba almati abas Konate ale furumuso aywa asreni fle madaire de ma konti melala ola ka sera ka 700 000 francs madame Konate o loko som nga forni de ngenyai salamate salaman nge kumate almami re de ma mi barka o loko som mayere folo donc amba dili abola rom la ba ato barka pi ala chama ko siga nona alaka abla ka nyuma mizanna alaka saram mie ka kon dinet de me nganya nyuma ma fen fena na se danyala se daba na se banyala kali dama ala anke dinet de me bo ya alaka anke dinet jasi bo ya ala anke mo la suba ka dinet ma ngana mo sama ka bo dinet na albala anke dinet jonwi bo adama de niki yere ke ala jonwi ele le mo bay parce que muna mo be gunye Donya la la fe me mo be doya donya la de madon de fe ni le kala de madin doya donye na fola ki mo doya donye o ye jasili li me no kala don bali be ni don mo bali be ni o ye korota bali kelete ni dota la ka de madon ya donye ka bala ya donya la foka nya do la la an wa le ya ko bala o talabu inna rabbaka la bil mirsad ala amnali abe ben atuma ma ana to fo na ma ani mi ka kala ko kala ani minka kan balaula jangadala ala ko laka amou fofnya ambe kuma sunduria kadwo ke be ambe hamito ala ambe hamin wuri ka banka be ki talo ala be betalo ka tmi re kan ala ambe sutra ala ambe lo sulma ka ala fotul manay rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.